Bonjour à tous, je suis Doris Alapini. Je viens par cet audio interpeller Monsieur Jean-Jacques Jijoro, directeur général de Sogeas Atome Bénin. Je voudrais dire à Monsieur Jean-Jacques Jijoro que l'Afrique change. Les Africains sont de plus en plus très intelligents et peuvent aussi faire beaucoup de choses. Monsieur Jean-Jacques Jijoro, il est impossible aujourd'hui de réaliser des projets sans intégrer les populations et intégrer des personnes ressources. Vous n'arriverez pas. Il va falloir redessiner votre politique, revoir votre fonctionnement et respecter les lois et les droits des personnes. Nous n'allons pas accepter votre façon de traiter les populations. Il faut que vous sachiez que vous devez dorénavant respecter d'abord notre constitution, signer vos accords avec les intérêts et les biens des personnes, ce qui est déjà dit par votre charte internationale, dont vous le violez en flagrant délit. Monsieur Jean-Jacques Dujoro, je n'ai pas l'intention de laisser les Béninois souffrir. Je n'ai pas l'intention de laisser nos mamans souffrir. Je n'ai pas l'intention de laisser ceux qui sont déjà affaiblis de souffrir. C'est pour cette raison que je n'arrêterai pas de vous dénoncer sur tous les toits jusqu'au rétablissement complet du droit des personnes, des droits de l'homme, des droits de nos populations, le droit des Béninois. Et en ce moment-là, je reviendrai vous féliciter pour avoir corrigé tous vos manquements. Monsieur Jean-Jacques Dujoro, tout ce qui se passe, vous êtes responsable de tout ce qui se passe. Donc, ne cherchez pas à fuir vos responsabilités, mais assumez vos responsabilités. Parce que tant que vous n'allez pas assumer vos responsabilités, je n'arrêterai pas de dénoncer, parce que je dénonce pour nos enfants, je dénonce pour la sécurité du peuple béninois, je dénonce pour la sécurité de vous-même, de vos enfants. L'Afrique n'est plus prêt à accepter ce genre de pratique. Nous sommes d'une nouvelle génération. Nous rêvons à changer nos vies. Nous rêvons à aussi faire mieux que vous, parce que ainsi va la vie. Donc, sur ce, un bon week-end à vous. Réfléchissez, corrigez, respectez nos droits. Nous voulons une Afrique où tout le monde s'épanouit. Merci à vous et sachez de corriger un peu tout ce qui ne marche pas et arrêtez de brimer le peuple, les peuples. C'est de ça qu'il s'agit. Mes dénonciations, c'est pour le droit. Mes dénonciations, c'est pour que nos enfants demain, après nos décès, s'épanouissent dans une Afrique qui brille, une Afrique qui donne envie de vivre. Merci. Monsieur Jean-Jacques Didjoro, votre DT a eu à me dire que c'est l'État qui a détruit mes biens. Écoutez, à qui profitent tous ces crimes? L'État ne peut pas détruire nos biens. L'État est garant de nos biens. Et même si vous venez sur le terrain et que vous avez des gens qui se permettent de vouloir détruire des biens matériels, il revient à votre DT de refuser catégoriquement. Mais attendez, je ne vous comprends pas. Les gens travaillent des années pour s'acheter des équipements de travail et vous êtes tous debout à regarder écraser les équipements. Et vous racontez quoi? Vous voulez mettre ça sur la tête de l'État? L'État, lui, l'État travaille pour le développement de l'Afrique ou pas? Mais attendez, des fois, vos employés sortent des choses à tomber debout. Imaginez-vous, je vous donne un exemple. Dans une réunion, hein, votre DT a eu à dire que si la mer arrivait à bouffer la route, que Sogeas Atome n'est pas responsable. Mais je suis malade d'apprendre des choses comme ça. C'est une aberration. Mais imaginez-vous que le peuple béninois au soleil du matin jusqu'au soir, pour payer des impôts, hein, pour pouvoir financer, si vous voulez, une route,
pour que les gens soient conscients que la mer va l'avaler et qu'on dit que non, c'est pas grave. Et si l'État, oui madame, mais si l'État, si la mer vous fait l'argent, ben, qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais moi, Doris, ça me fait beaucoup. Parce que cet argent, on peut l'investir ailleurs si c'est le cas. Moi, je n'ai jamais vu dans un pays où on enclenche une route au bord de la mer sans avoir bloqué la mer. D'abord, monsieur Jean-Jacques Jicot, ce que vous aurez dû faire, c'est bloquer la mer, limiter les risques du quartier. Là, maintenant, vous faites une route, c'est très bien. On est d'accord. Mais si quelque chose arrive, vous pouvez bloquer la mer. Quelque chose arrive, l'argent serait déjà perdu. Et il faut recommencer à zéro. C'est ça que vous appelez la gestion? Monsieur Jean-Jacques Giraud, je vous connais très bien, mais je ne vais pas vous faire l'économie de vérité. Je vais vous dire la vérité, ça va vous faire réfléchir et corriger les choses. On vient nous intimider pour dire l'État, l'État, l'État. Mais l'État, c'est nous tous. Nous devons nous asseoir et trouver des solutions pour l'épanouissement de tout le monde. Au prix de quoi? Vous, monsieur Jean-Jacques Jijoro, vous êtes assis dans votre maison, ok? Vous profitez, hein, de tous les efforts que les Béninois ont fait pour rembourser les routes, pour que vous soyez monsieur Jean-Jacques Jijoro. Et aujourd'hui, vous n'avez pas peur de détruire nos biens. Vous savez les pratiques que vous utilisez avant, là. Nous, on ne les veut pas, hein, et nos enfants n'en voudront pas non plus. Les menaces, là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, hein. Il s'agit de sécuriser nos vies, sécuriser nos biens. Moi, je vais vous dénoncer au président de la République. Tous les jours, je vais vous dénoncer. Jusqu'à ce que ça soit corrigé. Vous devez corriger. Vos actes sont des actes criminels et dangereux pour une République. On prend des machines, vos machines, vous prenez vos engins pour détruire des biens qui coûtent des millions de francs. Vous, Jean-Jacques Dijoro, là, vous me donnez à manger. Vous savez comment les Béninois vivent? Et vous croyez que nous allons nous taire? Parce que vous allez dire, c'est les autorités. Les autorités, là, allez détruire les biens alors. Et là, nous allons comprendre que vous avez le droit de détruire les biens de tout le monde et nous allons nous taire. Allez détruire les biens des autorités aussi. Moi, je veux voir. Les Béninois veulent voir. Vous êtes incapables de recruter des manœuvres, hein, pour extraire les biens des gens, hein, avant de commencer votre démolition. Écoutez, si vous ne pouvez pas gérer les choses, écoutez-nous au moins, écoutez au moins nos conseils pour améliorer votre gestion. Je n'ai pas dit à votre DT sur les lieux de travail de ne pas détruire mes biens, d'essayer d'extraire mes biens parce que c'est trop lourd, il faut quand même du monde pour qu'on le fasse et on est en train de faire. Vous avez bien vu, votre équipe a bien vu qu'on est en train de déménager. Et votre CM là, avec qui vous avez une complicité pour venir détruire nos biens. Tout le monde doit savoir l'acte que vous avez posé. C'est grave. Maintenant, vous avez détruit mes équipements. Et je travaille avec quoi? Je travaille maintenant avec vos engins? Ou bien quoi, finalement? Écraser, hein? Du champagne, du vin, les frigos, tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un désordre. Moi, payez-moi, hein? Payez-moi. Ça va vous apprendre à mieux organiser les choses. Personne ne vous a empêché de faire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas la personne qui va me donner des conseils. Moi, pendant des années, je prends mon argent pour nettoyer la rue, enlever les ordures, sans bruit, sans détruire quelqu'un, sans gêner les gens. Vous venez en réseau, vous venez détruire mes trucs et vous utilisez le nom de l'État pour nous détruire. En tout cas, les Béninois n'ont qu'à dénoncer. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va corriger les choses. On ne peut pas se taire. Ce n'est pas possible. Pour les Béninois, je pense que
il faut quand même dire ce qui ne va pas. C'est la meilleure façon de corriger les choses. Parce qu'il y a trop d'abus. Trop d'abus. Moi, je suis en colère. Hein, parce que je n'ai pas réalisé comment on peut détruire le bien matériel de quelqu'un avec des engins. C'est choquant. Monsieur Jean-Jacques Judioro, quand on est patron, on est exemplaire. Quand on est patron, c'est pour corriger les choses. Ce n'est pas pour détruire. Prenez vos responsabilités. Moi, vous voulez gagner de l'argent? On veut aussi gagner de l'argent. Alors, rétablissez le droit. Payez-moi. Point barre. Merci à vous.